J'ai opéré dans le secteur du digital depuis plus de 30 ans, d'abord à travers la création de ma propre société en 1987 et qui par la suite a été acquise par un groupe multinational. Donc j'ai eu une expérience en tant que PME dans le digital et également en tant que manager dans une entreprise internationale où j'ai eu à gérer aussi bien la filiale marocaine que les filiales africaines. J'ai également été présidente de la PEBI pendant deux mandats, donc de 2016 jusqu'à 2020. Et d'ailleurs, nous avions organisé 4 éditions de l'ITEX, qui est Africa IT Expo. Et je suis heureuse aujourd'hui de voir que le Maroc abrite la première édition du JITEX, qui est, je dirais, un événement beaucoup plus globalisé, mais qui met l'accent sur l'Afrique. Donc c'est une excellente chose que le continent africain se prenne en main, que les pays africains collaborent au niveau du digital à travers le grand projet de Smart Africa qui va créer un marché unique du digital à travers l'Afrique. Nous avons beaucoup de potentiel dans notre pays, nous avons une jeunesse qui est bien formée et donc nous avons des besoins importants au niveau de l'Afrique. Et les jeunes, avec tous les start-up, doivent justement trouver des solutions pour répondre aux problèmes africains.